casquette et petite tête maigrichon. Celui qui fait chier tout le monde depuis quelques années, mais qui s'occupe de rien de ce qui se passe en haut. Le larbin des pantins. Qui a encore fait chier tout le monde. Alors samedi, grosse mobilisation. Tous autour de l'île de la Cité. Je suis pas sûr qu'il soit là samedi, mais il faut juste lui montrer qu'il y aura du monde. Et puis même des moments de la semaine. Il faudrait que des gens aillent leur rappeler qu'il y a du monde. Faut qu'on passe devant la préfecture, et qu'on gueule son nom avec d'autres slogans. Peut-être il va comprendre. Hein, grosse tête, on n'est pas dans le même camp. N'oublie pas. Très rapide, très réactif. C'est pour ça que le nouveau concept qui est mis en place vise à être encore plus réactif qu'eux et à disposer des juridiques qui vont désormais la réorganisation. Nous également. Il y a des secteurs interdits, un secteur est interdit à la manifestation, d'autres secteurs sont autorisés aux manifestations. Il est beau, hein, avec sa casquette et sa petite tête. Maigrichon. Dans les manifestations déclarées, ceux qui voudraient persister à venir dans des lieux interdits ou à manifester sans déclaration seront bien évidemment dispersés et empêchés de se livrer à des dépravations. Ne pas subir, ne pas laisser faire des destructions, intervenir immédiatement, être très réactif. Chaque unité se voit attribuer un secteur. Les champs, Élysées et tous les secteurs interdits de manifestation ont été découpés en différentes surfaces au sein desquelles les unités ont des instructions. Elles n'attendent pas les miennes de la salle de commandement pour agir, pour faire cesser immédiatement toute destruction. Bien évidemment, le commandement reste pour les redéploiements, pour les mouvements, mais initiative opérationnelle à l'intérieur des secteurs. Il est interpellé par une habitante. Être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, pour lui faire comprendre à lui. C'est très simple. Il a été trop de fois arrogant. Alors voilà, je voulais m'avancer d'un pas et me permettre de répondre à monsieur Lallemand. Ouais, on n'est pas du même camp. Récemment a bien précisé à une dame dans la rue qu'il n'était pas du même camp. Effectivement, monsieur Lallemand, nous ne sommes pas du même camp. Les Gilets jaunes ne sont pas du côté de la dictature. Merci. Même si Lallemand le veut pas.